L'information nous a été confirmée par le vice-président Nui Haoloré. Un huissier lui a remis un courrier pour confirmer sous 3 jours sa candidature au sénatorial. Dans l'affirmative ou en l'absence de réponse, il devra faire face à une procédure d'exclusion du Tahoir Ahuiratira. Alors quid des représentants pro-Fritsch? Il y a eu 2 versions. La version de donner notre démission, mais moi j'étais beaucoup plus pour dire qu'il nous exclut aussi. Au même titre que Nui Hao, et par solidarité envers Nui Hao et Lanat et Tonui, solidarité envers le gouvernement. Car le duo Vincent Dubois et Teura Eriti n'a pas soutenu le président lors du retour annoncé de l'État dans le régime de solidarité. Le RST est justement au centre des discussions dans cette commission imprévue de l'économie et des finances cet après-midi. Le président, hier soir, m'a demandé de réunir cette commission en urgence pour que la séance plénière puisse se réunir jeudi prochain en vue d'adopter cette délibération. Ça n'a rien à voir avec les sénatoriales. Ils sont en train de s'entre-déchirer alors qu'il y a des réalités en face. Il y a l'État qui est prêt à revenir au financement de notre régime de solidarité, mais tout ce qui les intéresse, c'est de savoir qui va courir au sénatorial. Les candidats ont jusqu'au 17 avril pour déposer leur dossier au commissariat. D'ici là, le père du Tahoir A pourrait prendre une décision. Ce n'est pas facile pour le président de trancher, hein, de prendre une décision et de les exclure aussi. Ce n'est pas facile d'exclure ces deux personnes importantes aussi dans le Tahoir Ahuiratira. Dans un communiqué, le Tahoir A précise qu'il a bien envoyé un courrier dans le but que Nui Haoloré, Lanat et Toanui et leurs suppléants confirment ou démentent leur candidature. Pourtant, dans le camp Fritsch, la décision ne fait plus de doute. Nous, on est prêts. Nous sommes déjà prêts et on attend simplement le moment opportun. Quand vous dites nous, ce sont les 13 frondeurs, entre guillemets, du Tahoir A à l'Assemblée? Oui, c'est vrai que ce sont les 13 représentants de l'Assemblée, mais nous avons pas mal de contacts avec les maires des communes aussi. Sur le site Haiti Today, Nui Haoloré déclare que devenir sénateur lui permettrait de renforcer ses fonctions de vice-président et sa capacité à mieux défendre les dossiers financiers à Paris.